Natürlich ist es im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir wollen heute Abend eine Trauerfeier feiern. Weshalb? Weil seine geliebte Tochter, unsere Geschwister, Tumba Kialunda Carolina, heimgegangen ist. Nachdem sie ihre Gott gedient hat, seit Afrika bis hierher, hat ihre Reise beendet. Unter anderem feiern wir diesen Gottesdienst. Es wird Zeugnis gegeben, es wird gefeiert, es wird gesungen und wir alle, wir wurden gesegnet. Halleluja! Nalinko pisabino mbote na bisika biso okutami na mpoko na lelo. Tolingi to fete mpoko na lelo pour la promotion glorieuse ya ser na biso, tata mwasi na biso, leki na biso, yaya na biso, mama leki na biso, oyo sima ya ko servir nkolo na ye tango molai ko banda Afrique kino awa na Allemagne asili ko zonga na mboka na tata na nkemo na oyo feti oyo nyonso tokolekisa matatoli ekozala baloyembo ekozala mabondeli ekozala toyebi ete nzambe akotambolisa biso mpe moto nyonso bino nyonso biso nyonso tozali na mpoko na lelo tokoyeba na kopambolama tika nzambe atambolisa biso. Amen. Papa na biso na lola na kombo ya tata pe ya mwana pe lisanga ya moliomo santu. Nzambe papa na biso na lola toye liboso na yo koloba merci po etozali nzambe. Koloba merci po etozali papa na biso ulingi biso nzambe. Yo kotika ka biso te okobatela ka biso ebandeli kino suka. Nzambe toye tozali kobanda koyangana na biso. Oyo pona kokanisa molimo na ndeko na biso mama Caro o azali mwana na biso leki na biso mama suki pe ndeko kati na lingomba to kati na famille nzambe toye pai na yo nzambe na ngai kolobete wana tozali kobanda koyanga na biso to ndimete presence na yo ezali kati na biso presence ne kotambolisa biso nzambe po ete mosusu te oyo akoki kodirige programme oyo ezali bobele yo Yesu Masia. Tozali kotika ntango na koyangana oyo na maboko na yo na kokanisa molimo na ndeko na biso mama Caro ntango na ntango nzambe oyo ye azalaki kati na yo kobanda na bolenge na ye Yesu aselelaki yo kobanda na bolenge na yo akumisaki yo kobana bolenge na yo atatolaki monene na yo nzambe yango biso toyelelo mpona kokanisa lisusu ete wana azali mwana na yo wana asalelaki yo kati na nzela na matatoli na mabondeli na baloyembo nzambe tondimi ete presence na yo kolo ezala kati na biso nzambe totiki koyangana o na maboko na yo ete nzambe yaka bonda mitema na lingomba bonda mitema na fami mitema ebukani nzambe na kokanisa oyo azalaki sher kati na libota oyo azalaki sher kati na lingomba oyo asalelaki biso likambo moko soki mosusu nzambe na nguya pasi ezali kati na motema kasi nzambe na nguya yo ezali mobondi monene kobondaka mitema na biso bibe ezali komonisa biso ete ata ntango na mpasi mikakatano ebongi na biso kotonda bobele kombo na yo na nzela na kotonda yo nzambe kimia na yo ekowumela kati na biso ekofuluka kati na mitema na biso nzambe tozali baoyo tozali bato kobika na se na ntango wana moko tozalaki na ye longo asili kozonga mboka na yo nzambe pasi ekozalaka kolele ezali kasi nzambe toye pai na yo yo nde molongoli mpiso li na miso yo nde mobondi mitema yo ozali na kisi oyo ebongi na nguya nzambe oyo ekolongolaka pasi oyo ekolongolaka pota okati na mitema na biso nzambe toye pai na yo papa na nguya programe oyo totiki na maboko na yo ekozala na nzela na bamatatoli na nzela na baloyembo na nzela na nyonso na baprière seigneur totiki nyonso na maboko na yo
tambolisa biso nzambe na nguya yozali papa na biso ozali tata ko batelaka ozali tata oya tempe ya circonstance yokotika ka moko na moko na biso te okozana na biso nzambe na musika suki na pene totiki yonso na maboko na yo merci papa na biso merci papa na kembo oyo tindaki mwana na ona likinda na sena tango oyo oya kikokufela moko na moko na biso nzambe alobaki ete ngai na ke kasi na kozonga na kei kobongisela bino bisika pe na kozonga lisusu mpona kokamata moko na moko nzambe oyo ezali ntango na mama caro akei esika wapi papa na biso asili kobongisa esika na ye mpe nzambe mpona biso totikali lisusu nzambe tike tobatelaka biso osungaka biso tolanda bobele litambi na yo tozonga na nsima te tokweya te nzambe kasi soki wana tozali kotambola quand même kokwe ezali nzambe totelema tolanda bobele litambi na yo nzambe merci batela libota yonso bateya libota ya salutiste mpe bateya famille mobimba elongo na bana na mobali na mama na bandeko nyonso nzambe totiki na maboko na yo tika nkombo na yo ekumisama nzambe na ngai tika nkembo ezonga mboka na yo mpo tobongi na lokumu mpe nkembo mpo tobongi na nguya nzambe na ngai tokotatola nani tokotatola bobele yo na bolingo kitoko yo kosalelaka biso moko te akokani na yo zala na biso na koyangana oyo molio mosantu na conduire biso molio mosantu na yo abatela biso molio mosantu apesa biso kimia yawe tika ozwa nkembo masanjoli nyonso na tuni na kondima na nkombo na yo yesu masiya ozali papa na biso ozali nkolo mpe mobikisi na biso yo okotikaka biso te okotalaka biso okotambolisaka biso okosungaka biso merci mpona nyonso tosili kosenga epai na yo na nkombo ya tata mpe ya mwana mpe na lisanga na molio mosantu kolo na nguya tobondeli boye mpe tolobi amen. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass du Gott bist. Ich danke dir dafür, dass du die Liebe bist. Ich danke dir dafür, dass du unser Herr, unser Heiland bist, Herr. Vater, ich danke dir einfach dafür, dass du den Schmerz siehst, den wir in unseren Herzen verspüren, den Schmerz, eine Mutter verloren zu haben, den Schmerz, eine Tochter verloren zu haben, den Schmerz, eine Schwester verloren zu haben, eine Tante verloren zu haben, eine Cousine verloren zu haben, eine Nichte verloren zu haben. Und Vater, ich danke dir dafür, dass ich wissen darf, dass du diesen Schmerz spürst. Und Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du bei jedem Einzelnen bist in seinem Schmerz. Dass du jeden Einzelnen von uns nah bist. Dass du uns mit unserem Schmerz nicht alleine lässt, Herr. Vater, als Hiob alles verloren hat, sein Gut verloren hat, seine Kinder verloren hat, seine Gesundheit verloren hat. Selbst in diesem Moment konnte Hiob sagen, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Und Vater, du weißt, wie schwierig es für uns ist, zu sagen, gelobt sei der Herr, dass du Mama Caro von uns genommen hast. Dass wir nicht mehr mit dir sprechen können, dass wir sie nicht mehr anrufen können, dass wir sie nicht mehr sehen können, dass wir sie nicht mehr anfassen können. Du weißt und du siehst, wie schwierig es ist. Und doch dürfen wir wissen, dass alles, was wir sind, alles, was sie war, durch dich, Herr. Vater, zu sehen, wie sehr sie dich geliebt hat. Wie sehr sie ein Leben geführt hat, danach gestrebt hat, ein Leben zu führen, das dir gefallen hat, Herr.
dass sie dich in allem, was sie tat, überall, wo sie gewesen war, immer ein Lächeln, ein Strahlen im Gesicht hatte, die Hoffnung hatte, egal wie aussichtslos die Situation gewesen ist. Und dass sie gekämpft hat und gesagt hat, ich weiß, der Herr ist bei mir. Der Herr wird mir die Kraft schenken. Der Herr wird dir die Kraft schenken. Der Herr wird dir die Hoffnung schenken. Ich danke dir dafür, dass sie in so vielen Dingen Vorbild für uns sein konnte, Herr. Dass sie selbst in ihren letzten Tagen, ihren letzten Stunden sagen konnte, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Ich werde beim Herrn sein. Wenn es Gottes Wille ist, dass ich gehe, dann wird er mich rufen und ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, weil es mir gut gehen wird, weil ich beim Herrn bin. Und dass sie sagen konnte, ich habe euch alles gegeben, was ich euch geben konnte. Ich danke dir für die Liebe, die sie hatte. Ich danke dir dafür, dass sie fest in ihrem Glauben stand. Ich danke dir dafür, dass sie weiter lernen wollte und dass es der Weg ist, den sie auch ihrer Tochter beigebracht hat, Herr. Den sie Annette beigebracht hat. Dass Annette lernen durfte, hey, egal was ist, ich kann mich an Jesus festhalten. Ich kann mich an Jesus anklammern. Meine Hoffnung ist im Herrn. Vater, du weißt, wie oft es uns schwerfällt, an dir festzuhalten. Als erstes dein Königreich zu suchen. Und zu wissen, dass du uns alles andere zur Verfügung stellen wirst, zu deiner Zeit. Vater, hilf uns, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass das ihr Weg gewesen ist, dass das das gewesen ist, wonach sie gestrebt hat. Dass es ihr Wunsch war, dass es ihr Streben war, ein Leben zu führen, was dem Herrn gefällt. Unabhängig davon, was die Leute sagen, unabhängig von den Anforderungen, die die Welt an uns stellt. Ich lobe und preise deinen Namen, Vater, weil wir wissen dürfen, wo sie ist. Weil wir wissen dürfen, dass sie an deiner Seite ist. Weil wir wissen dürfen, dass dein Heiliger Geist mit uns ist. Dass dein Heiliger Geist unsere Herzen hält. Dass dein Heiliger Geist der Familie und uns die Kraft schenken wird, aufzustehen und weiterzugehen und die Hoffnung zu haben, dass wenn du wiederkommst, Jesus, dass wir die Ewigkeit miteinander verbringen können. Vater, vor ihr sind so viele gegangen und auch nach ihr werden wir auch gehen. Jeder zu seiner Zeit. Und gleichzeitig dürfen wir wissen, an dem Tag, an dem Jesus wiederkommt, werden wir uns sehen und die Ewigkeit miteinander verbringen. Vater, ich möchte dich um Stärke bitten, um Kraft bitten, dass du bei jedem Einzelnen bist, der jetzt deine Gegenwart braucht, der jetzt deinen Frieden braucht, der jetzt deine Ruhe braucht. Amen. Santo, santo, é o teu nome, Pai da eternidade. Neste momento, queremos te agradecer, te dizer obrigado, Pai, por tudo, enquanto fez para cada um de nós aqui presente. Queremos mais, Pai, te agradecer pela vida cá na terra da nossa irmã Carolina, que hoje está descansando junto aos teus anjos lá no céu. Oh Pai, a separação é sempre difícil, mas
Queremos te entregar este programa do regresso da terra onde saímos da nossa irmã Carolina. Pai, mais uma vez obrigado pelo tudo, sobretudo pela coragem que a nossa irmã Carolina teve. Ela mostrou que foi um bom soldado, porque ela combateu até no fim. Oh Pai, neste momento da angústia, queremos entregar a família enlutada nas tuas santas mãos. E queremos também deixar a filha, a Anete, que é a Lunda, que a nossa irmã Carolina deixou, nas suas santas mãos, Pai, para que o teu Espírito Santo possa lhe consolar. Oh Pai, neste momento não temos mais nada a dizer ou a pedir, somente agradecer, porque durante a vida da nossa irmã, ela sempre teve, sempre testemunhou, sempre gostou de te louvar através de tamborim. Oh Pai, até nos seus últimos dias cá na terra, ela testemunhou para ti. Foi fiel até ao fim, a dizer que ela não tem medo da morte. Se um dia Deus ver ou Deus lhe chamar, ela não tem medo. Foi um bom testemunho para nós que ficamos. Por isso, neste momento, Pai, queremos deixar este programa de separação da nossa irmã Carol. Obrigado, Pai, pela coragem que ela teve neste mundo dos vivos para te servir como soldado do Exército de Salvação, partir da República do Congo, Zaire, República de Angola e aqui na Alemanha. Sempre mostrou esta alegria de ser soldado de Jesus na Igreja Exército de Salvação. Por isso, Pai, hoje é o dia que comemoramos, ou é um dia que queremos todos, de longe, de perto, cantar e louvar o teu santo nome pelo trabalho que a nossa irmã Carolina fez neste mundo dos vivos. Obrigado, Pai, por tudo. O início e a continuação deste programa está nas tuas santas mãos. E deixamos o dia do enterro também nas suas santas mãos. Acompanhe a nossa irmã até no seu na sua última demora, porque, Pai, a tua palavra está nos dizendo, nunca vai nos deixar, nunca vai nos deixar só. E com esta esperança, Pai, sabemos que a nossa irmã Carolina não está só, mas sim, junto com os teus anjos, está no céu. Obrigado.
Pai, por tudo. Te agradeço em nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Amém. So na tondi nzambe na mokolo ya lelo pona ko sala video oyo kotinda kuna na Allemagne esika wapi nzoto ya mowei ezali pe esika wapi bazali ko organize funeral na ye ezali pasi ezali mawa mingi ngana zali yaye ya karo ya mibale na kati ya libota Sango oyo osili koyeba ekomela kibiso na ndenge ya mbala kata toyebaki ete azalaki kobela
kasi tokanisaki te ke lelo oyo ye akozanga biso ye akolongwa na mokili oyo kasi totondi nzambe na makambo nyonso po ete biblia azali koloba na biso na basirconstance nyonso toyeba kopesa merci epai ya nzambe na oyo esili koleka yango wana na biso bandimi toyebi ete kufa ezali po ete yesu kutu na ntango ezalaki ete ye akolongwa na mokili akotika bayekoli na ye ntango ayebisaki bayekoli na ye ke azali kokende bayekoli bamonaki pasi kasi liloba moko atikelaki bango ya motuya ezali ete bomitungisa te ngai nakei nakozala esika ya papa nake kobongisela bino esika mpe nakoya naya kozwa moko moko elingi koloba ete biso nyonso tozali na bus bus moko na moko aza na re na ye lelo oyo karo akiti na re na ye bus azali kokontinue kokotambola moto moko moko aza na re na ye tres précis oyo akokitela karo de son vivant asalelaki nzambe na ye batémoignage ezali tomonaki boni boni ya mipesaki na mosala na ye ya nzambe ezali exemple monene oyo biso tokoki kolanda mpe na nzela oyo nazali kotonda baboti oyo ya biso kobanda bomwana na biso biso nyonso moto moko akoki komilongola te nzela oyo balakisaki biso ezali nzela ya nzambe koyamba yesu kristo lokola mobikisi na biso yango wana mpe toyali kokoba na yango titi sikoyo liwa ya solo ezali eloko moko meme kutu ozalaki prepare ke moto oyo lobi akozanga biso kasi na ntango yango eye ekomaka lokola motu moko azangi plafond na likolo azangi pavement na se donk esika ya konyata ezali te epui kala te okomona butu eyeli yo na miso ozali koyeba te esika nini yo kokende ezali mpasi mingi mpo ete lelo oyo soki tozali kokoba ezali mpona bino bandeko na bakonsei na bino na basoulagement na bino na bamon na bino de confort ezosala ke vraiment mawa ntango mosusu eye me na ntango moko boye ekimi bo karo atikelaki biso liloba moko lokola ayebaki ke lobi peut-être akozala te ke ngai lelo soki nakei nazali na esengo mpo ete nayebi donk jésus akende na royaume akende kobongisela biso royaume royaume wana donk ngai nakozala kuna e mutu na mutu ase prepare mpo nazala kuna wana ezali lokola atikeli biso message donk biso bato tikali bato oza na mpasi toluka tose prepare de façon ke tokende kokuta ye esika ye azali yango wana bon ntango mosusu soki natali nazali na esengo mpo ete nayebi leki na ngai na ntango oyo aza na yesu kristo na esika moko aza na nzambe na ye esika moko me kokabwana ezalaka mpasi mingi kokabwana ezali ndenge mibale soki mutu lelo aza kovoyage alobiki nazali kokende pai boye toyebi ke bo lobi akei peut-être tokokuta na mokolo mosusu kasi liwa ezali eloko moko moto ntango akei akei kaka libela atikali na histoire eloko esalaka biso mpasi yango wana me likambo te tokumisi nzambe na manso oyo eleki tika ete molimo na ye epema na kimia esika wapi yesu azali mpe na baprofete mosusu nzoto ekoti na mabele ezali nango pamba mpo ete liwa ezalaka lokola je moko simple bosololi na mutu lelo lobi okomona kei kasi na biso bandimi toyebi ete molimo na ye ekei directe mepa ya kolo nzambe na ngonga oyo ndenge nazali koloba na ndimi ete mama karo azali kosepela biso totikali na mawa me kasi likambo te mawa na biso ekosila mp
poete bino bato bozingeli biso ko bozeli ko pesa biso ba parole ya réconfort ozeli ko sala ete biso tolongola ba pinzoli na biso tolongola ba mawana biso toyebi oyo musalo bozeli ko sala nzambe abatela bino nzambe azala na bino tika ete enterrement na ye elekana ndenge ya malamu biso pe awa na niveau ya Angola armée du salut vendredi toko lala et ko sala action de grâce o toko sala en mémoire ya ye mutazali ko kende po ete ye avant ake na poto atika pe bilembo na ye awa o ezali ke mutu nyonso ayebaki ye ayebaki makasi na ye molende na ye na makambo etali ko salela nzambe na ye ezala lokola leso munene na biso bato tikali tozela te kaka na tango tokomi na pasi tolobaki o voilà toyambi yesu ezali tango oyo oyepesami na biso tosimba masiya makasi po ete ye tango akoya akoya lokola moyibi akoyebisa te soki lelo soki lobi toyebi te soki na tongo soki na butu toyebi te kaka ye mutayebi date na ye ye mutayebi heure na ye yango wana tomibongisa donc nzambe abatela bino nzambe abatela biso nzambe alongola bapinzoli na biso nzambe alongola bapasi oyo na motema nonandimi ete na nzela oyo tokozwa mapamboli nzambe akumisama atondi bino na kombo na yesu amen. Alléluia. C'était pour moi un privilège et une grâce de pouvoir rencontrer Yakaro sur mon chemin. Je remercie l'armée de Sali car c'est à travers ses activités que j'ai pu rencontrer Yakaro alors qu'elle était encore jeune au poste de Yolo et moi aussi encore plus jeune au poste de Maïma dans la division de Kinshasa 1 à l'époque. Quelques temps plus tard, je ne voyais plus Yakaro dans les circuits des activités de la jeunesse pendant les rencontres. Et j'apprendrai qu'elle avait fait un déplacement pour l'Angola. Beaucoup d'années se sont écoulées. Un jour, alors que j'étais en vacances en Allemagne, j'étais invité à participer à un congrès des soldats de ces territoires. J'avais revu Yakaro encore une fois, mais avec un peu de doute, car beaucoup d'années s'étaient passées. Et c'est elle qui s'est approchée de moi en m'appelant par mon nom, Marthe. C'est alors que j'avais la confirmation que c'était vraiment elle. Elle s'était attachée à moi et durant toute la durée du congrès, on était inséparables. Nous avions passé du temps en parlant du passé et avec un peu de nostalgie. Depuis ce moment-là, à chaque fois que j'étais en Allemagne pour les vacances, on passait le temps avec Yakaro. Et au fur et à mesure que je rencontrais Yakaro, je sentais en elle un développement spirituel d'une dimension vraiment profonde. Une sœur très polie, très humble, très respectueuse, très discrète, une sœur prête à partager. La nouvelle de sa disparition m'avait bouleversée et m'avait fait penser au temps passé, sachant que je ne les verrai plus. J'ai fondu en larmes pour cette disparition, car j'avais l'habitude de la voir à chaque fois que j'étais en Allemagne. Et maintenant, je sais que la prochaine fois que je serai en Allemagne, je ne verrai plus Yakaro. Que dire devant une circonstance comme celle-ci? Sinon que remercier le Seigneur qui nous a donné l'espérance de la résurrection, lorsque devant sa face, nous nous reverrons encore pour célébrer sa victoire sur la mort et sa gloire. Et c'est à ce moment-là que nous allons faire retentir le ciel par nos chants et louanges. Il ne nous reste que de nous encourager en rejoignant Paul dans son épître aux Thessaloniciens qui nous dit
Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Et ceci au son de la trompette pour les rencontrer dans les airs. Telle était l'espérance de Yakaro. Et ayant la même confession de foi, nous avons aussi la même espérance. Fortifions-nous et reprenons courage. Quant à notre sœur Caro, que son âme repose dans la paix du Seigneur, celui qui l'a servi fidèlement jusqu'à sa mort. Que le Seigneur soit loué. Amen.
na biso Carolina Tumba Kialunda alinga ki nzambe mingi aibaki ko 10 nzambe na baloyembo aibaki ko 10 nzambe na tambourin ça ça yipi to ko yoka loyembo oyo ser na biso alinga ki mingi marchons sous les regards de Dieu. Unsere liebe Geschwister hat ihre Gott so sehr geliebt, sie hat Gott gedient, indem sie mit Gesang, mit Tambourin Gott gelobt hat. Die Tränen trocknet Jesu Hand, heißt das in unserem Lied. Dort wird kein Leid mehr sein. Und jetzt hören wir ein Lied, das unsere Geschwister sehr gern gesungen hat, beziehungsweise damit Tambourin gespielt hat. Amen. Thank you.
tondi nzambe na mokona lelo pona souffre a pesi biso et pona makaso a pesi ngai akoki kotelema liboso na bino kopesa témoignage oyo témoignage na ezali concernant yana ngai ya Caro wa ebina kotika biso na mikolo eutunika ya Caro azali yaya azali leki azali mama leki tante ndeko o biso nyonso toyebaki tolingaki mingi c'est vrai ya Caro tobikaki na ye ntango molai kobanda na Kinshasa ti ana mikili na poto ya Caro asalelaki nzambe kino na mikona suka akitisi bendele na ye te akei na bendele ya kotelema me nga mpenza nalingi kopesa témoignage ya mokuse ya molai te na kobenda bantango wana nyonso kobiki na ye te me oyo nga nalingi kopresente mpe kokabola liboso na biso bandeko nyonso to totikali oyo nga nawutaki kopartage na ya Caro na mikolo na ya suka ya Caro ntango apenaki kobela tozalaki toujours na communication kosolola kobengana koyeba basante kotunaka me oyo mpenza nga natikali nango na kokotelema lelo naloba oyo esimbi motema na ngai oyo ezaliki ezali maloba oyo ya Caro atikelaki nga na mikolo ya suka nabanza eleki 3 ou 2 semaines comme ça ndenge ayei kokufa mpo ezali mpe kaka nde tosololaki jour wana ti tosolo lisu te ndenge akei tozopartage na ya Caro tozosolola kotuna basante tozosolola nga mpe nazolengisa me ya Caro ayei koloba na ngai alobi elisa omoni nyonso nozolobaka ozoloba na yo mutu aza na mo ya suka ya koloba ezali nzambe biso te nzambe mutu aza na mo ya suka ya koloba nafandaki na silence nga biko me yaya azoloba boye ndenge nini ondiga asali omoni mutu soko alingi lisu tokontinue koloba ndenge mutu asalaka kokola kaka alobi eyali nzambe biso te nzambe mutu aza na mo ya suka koloba ye moko akisala kaka volonté na ye ye moko asala volonté na ye bon testopaki wana tokontinuaki komilengisama ndenge mpe tosolola kaka na yaya jour wana donc esila nayokaki nanga maloba ango me bon nayoki kaka me sujet na nga priere na kontinuaki kobondela mpona sujet na ngai jour nayoki koyokaki yaya akufi maloba alobaki na ngai ezongeli nga na mutu ngabi yaya alobaki ke mutu aza na maloba ya suka ya koloba ezali nzambe eske yaya yebaki ke azokende donc ebendi ngai makanisi eza maloba oyo ke toyebi ntango mosusu toyokaka toyebi na biso yango biso bakretien kuna na mokaani ecclesiaste 8:8 ndenge elobi na biso ke l'homme n'est pas maître de son propre vie mutu azali maître ya propre vie na ye te bomoi ya mutu esimbani na maboko na nzambe toyebi yango me ntango alobaki na ngai nayebaki yango lisusu te me jour aye kokufa nde eyeli ngai yanga nalobaki nakokanga monoko na ngai te do maloba ekomi kozangisa ngai kimia yaya alobaki boatikeli nga maloba yaya alobaki na ngai boyebisa yango nalobaki nakokanga bibebu na ngai te soki napartage maloba ya suka te oyo nasololaki na ndeko na ngai naye komona penaki wi ndeko na ngai azalaki pembeni ya nzambe azalaki pembeni ya nzambe mpe asosolaki mpe ayebaki ke na makasi na ye te na makasi aminganga te na makasi na biso te ke ya kokozwa sumba omoi soki nzambe alobi avivre akovivre soki nzambe alobi te te donc asosolaki seke ya bisika azalaki nayebi ke abandaki mpe komi se prepare mokolo na mokolo lokola ayebaki maloba oyo nayebi ete boye yaya aza na loboko ya pembeni ya nzambe aza pembeni ya nzambe tika monimo ya yaya epema na kimia nzambe azwa lokumu
maloba oyo ezala maloba yaya lobai kaka na ngai moko te me ngai nalingi topartage mpe biso nyonso ntango mosusu bacirconstance mosusu eyelaka biso yo moko ozokomilingaka ke osilisa likambo wana boyeboye me nzambe moto azalaka na eloba ya suka mpona makambo na biso nyonso surtout mpona vie ya moto ezalaka na nzambe soki ya boye aboye soki ya lobi ke wi wi na ye etikalaka wi mpe non na ye ezalaka kaka non. Merci na témoignage oyo yaya atikeli ngai mpe atikeli biso oyo nyonso toyoki yango. Nzambe azwa lokumu, que son âme repose en paix. Alléluia. Ngai kombo na ngai mami Peluka, mwana ya feu papa Mathieu Vinda. Pona ngai ya karo aza grand soeur parce que amoni kobota mape kokola na ngai. Famille na biso famille Vinda na famille Kialunda tozali proche, très proche parce que biso tozali famille Salutiste, bango pe bazali famille Salutiste. Alors na quartier biso tozali très proche na bango. Ya karo, sou nazo pe sa témoignage lelo po na mémoire na ye, eza par rapport ya ba souvenir o nazo garde na mousala o yo ye asale la ki nzambe. Biso tanto a ki ba na mike, ya karo azaki encadre na biso na ba jeune soldat. A l'époque, babande ko sala elongo na ya 120. Ba oyo tuzaki na bango elongo, je crois, baza ko se rappele na epoko wana. Vraiment, ezaki epoko moko très très bien o to pasaka enfance na biso, parce que ya kawa motiva ki biso ko sale la nzambe. Abande ko ya ko zwa biso, omona biso ya msu tozo boya, tobike biso to ana nzala. Akomema biso na boulangerie mama Jongo à l'époque. Asombe biso mapa moto. To lié, to ke église ne sengo. Donc toza ki bana ebele, ebele, ebele. Nde yango ane salete kino leloyo, biso tozo continue toujours na nzela ya nzambe. Je sais encore que na musala o bomba sala ki babimisa pe basala ya nzambe minene lelo, notamment son neveu papa major Balu pe mama major Sele Lidwine baza bana o ya karo encadra ki na ba jeune soldat. Asalela ki vraiment nzambe na motema na ye mobimba. Tubanda kosa ba repetition msusu epa na bango. Omona tozwa mifinuku. Tozo sala on ba repetition. Ya ba tambouriner. Mifinuku tozo beta on lokwa ba tambourin. Po kaka musala ya nzambe ekende liboso. Vraiment, na gade souvenir moko ya malamu. Na enfance to na kibomwana na biso. Nzambe akoki kobosa na yata mukete na musala oye asalela kiye. Na tango yo, tozo singa ka Saint-Esprit, o a konsola ramitema, a konsole fami mobimba, ki alunda isika api bakutami, pe a konsole fami Salutiste mobimba, o tozali ko lela elongo, na famille Kialunda. Nzambe a konsole ba enyonso ba eba ki a karo, ba o bazwi sango oyo, o tozali ko lele longo. Nzambe a konsole mite manabiso. Na ebete na musala oyo ya sali, Nzambe a bombele plasa malamu, elongo na ba angelou, pona kukumi sa kombo na ye. Ça fait très mal. Ça fait très très mal.
na sango ekweli biso na matoi lokola kake nzamba sunga biso yango na lito imba mwa refrain muke oyo pona lokumu na nzambi komo na na esilite liwa ezali liwa te toko mona na lisusu elongo na Yesu komo na na esilite liwa ezali liwa te toko mona na lisusu elongo na Yesu nzambe apambola biso. Halleluja. Wir lesen das Biografie von unserer geliebten Schwester Tumba Caroline. Caroline Tumba Kialunda ist im Jahr 1962 geboren und in Kongo aufgewachsen.
Der Rufname war Caroline, aber viele kannten sie auch unter dem Namen Tumba. Der Name Tumba kommt von der Schwester ihrer Tante. Im Jahr 1990 ist unsere Schwester Caroline gemeinsam mit ihrer Schwester Yvette nach Deutschland gekommen. Dort hat sie ihre Tochter Annette als alleinerziehende Mutter aufgezogen. Sie war sehr dankbar für die Gemeinschaft mit ihrer Schwester und ihrer Familie, da sie eine große Unterstützung für sie waren. Das Leben von Caroline war geprägt mit vielen Verlusten. Sie hat in jungen Jahren ihre Oma verloren und unter anderem 8 ihrer Geschwister. Viele Menschen hätten das verbittert gemacht und diese hätten heute vielleicht eine negative Sicht auf das Leben. Doch Caroline hat sich an das Gute im Leben festgehalten. Wie im Psalm 34, Vers 19 steht, hat sie bei Gott Zuflucht gesucht. Die Familie Kialunda hatte die vergangenen Tage immer wieder Zeugnisse von Caroline gehört. Und die Quintessenz davon war meist, dass sie jede Sekunde ihres Lebens genutzt hat, um Menschen von der Liebe Gottes zu erzählen. Schon im Kindesalter kam sie in die Heilsame in Angola und Kongo in Berührung, da ihre ganze Familie Salutisten waren. Dort entdeckte Schwester Carolina auch ihre Leidenschaft für das Tambourinspielen und das Singen im Chor. Das war ihre Art, Gott zu loben. Viele Salutisten in Kongo und Angola können heute sagen, dass Caroline ihnen Tambourin beigebracht hat oder dass sie mit ihr im Chor gesungen haben. Die Familie Kialunda hatte die vergangenen Tage immer wieder Zeugnisse von Caroline gehört und die Quintessenz davon war meist, dass sie jede Sekunde ihres Lebens genutzt hat, um Menschen von der Liebe Gottes zu erzählen. Ihre Freude daran, mit Menschen Gemeinschaft zu haben, spiegelte sich auch in ihrer Arbeit als Alltagsassistent. Sie war sehr stolz, als sie die Fortbildung damals abgeschlossen hatte. Lange nachdem sie krank war, haben ihre Kunden bei ihrem Arbeitgeber nach ihr gefragt. Nun, Schwester Carolina ist heimgegangen, ist zur Herrlichkeit befördert. Sie ist bei dem Herrn. Am 6. Februar 2021 befindet sich Schwester Carolina bei ihrem Vater. Amen. Biographie ya mama na biso Tumba Kialunda Caroline. Ndeko na biso Tumba Kialunda abotami na mokolo ya le 18 juillet 1962 peye akoli pe a ekisi bolenge na ye na Congo na mboka na Kinshasa. Ndeko na biso ayebana kimingi na kombo ya Caroline. Kati na libota na ye azalaki kobenga mape mingi na kombo ya Tumba.
Kombo oyo ya tumba ezalaki kombo ya tata mwasi na ye. Na 1990, mama Caroline bayebaki kotika mboka na Angola elongo na leki na Yvette pola koya na mboka ya Allemagne. Na mboka ya Allemagne, Nzambe ayebaki kosunga ye na bokoli mwana na ye moko kaka oyo abiangami na kombo ya Annette Kialunda. Mama Caroline atondisamaki na esengo mingi mpona lisungi monene oyo epesamelaki ye kouta na libota mobimba pe na leki na ye Yvette. Oyo atikaki ye ata mbala moko soko mokete. Bomoi ya mama Caroline eutaki koleka na bitumba mingi kobanda na kokufela bandeko na ye pe papa na ye na kamwa tango mokuse oyo tango mosusu ekokaki kozala pasi pona tango molai pe koluka kobongola motema ya mama Caroline na lolenge ya mabe. Kasi ata mikakatano elekaki makasi, mama Caroline abungisaki kondima na ye na masia soko mokete. Alléluia. Lolenge ekomama na mokanda na Njemu na David, psaume 30:19. Mama Caroline azalaki koluka ekimeli na ye na kolo Yesu masia. Libota to famille Kialunda bayebaki koyoka matatoli mingi ya mama Caroline oyo azalaki mingi kotatola, koteya pe kolendisa bango tango na tango ete batia elika na bango pe bakangama kati na masia. Lokola tata pe mama Kialunda bazalaki kati na lingumba ya l'arme du sali, mama Caroline azwaki ngolu ya koyeba masia na nzela ya lingumba uta bomwana na ye kolanda litambi ya tata pe mama epai wapi azwaki likabu ya koyemba pe kobeta sakasaka soko pe tambourin oyo azalaki lolenge na ye ya kosanjola Nzambe. Basalitus ebele na Congo pe na Angola bazali kotatola ete bayekolaki kobeta sakasaka tambourin soki pe koyemba na nzela ya mama Caroline. Mateya pe esengo ya mama Caroline kino na esika na ye ya mosala ezalaki litatoli monene mpona kolo Yesu masia. Na 2016, mama Caroline autaki kozwa diplôme na ye avec succès lokola infirmière assistante. Sima ya bokono na tango mokuse, mama Caroline auti kotika biso na mokolo ya le 6 février 2021. Tika ete bomoi na ye epe manakimia na mboka na tata Nzambe oyo asalelaki tango molai. Amen. Na tondi Nzambe na oya bateli biso, na manso elekaki, na ba ede, na ba demarche nyonso bosali po na biso, na zongsi matondi mingi epa tata Nzambe. Karo azalaki musai na Nzambe uta bolenge na ye ti na Kishasa kobesa ba tambourin koyembisa ba jeune soldat ti na Angola. Musala wana tikaki yango te kobesa ba tambourin ti awa na Porto pe musala na kontinuaki yango. Yango wana tozongisi matondi mingi epai ya tata Nzambe. Mabe eza pasi me tosala boni liwasa eya moto akolonga liwa ezali te, kufa ezali ekoka biso bandimi. Yango wana nazongisi matondi mingi epa tata Nzambe pe na bino bandeko molimo fami na baninga na bakamarade no nyonso bademarche bosala mpona biso nazongisi matondi mboka ya tata Nzambe tikate Nzambe azwa lokumu. Yango wana kino nzota karo ekozonga na mabele toutaki na mabele pe tokozonga na mabele. Yango wana nyonso nazalaki nango karo mpona koyebisa bino. Amen. Amen. Liebe Angehörige, wenn ich an Caroline denke, dann denke ich an eine starke Frau, die von innen heraus Jesus Christus ausstrahlt. Sie liebt Jesus so sehr
Und sie ist mir ein Anker und eine Stütze gewesen in der Zeit, als ich in Karlsruhe war, war sie immer an meiner Seite. Direkt neben mir hat sie mich unterstützt. Ob es Tag oder Nacht war, sie ist wirklich immer wieder da gewesen. Und wenn ich an sie denke, dann denke ich auch an einen Bibelvers, der im Prediger steht. Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Und zu diesem Bibelvers habe ich einen Poetry Slam gemacht und diesen Poetry Slam möchte ich zur Ehre von Caroline jetzt vortragen. Solange wir Gott, die Ewigkeit, nicht in unserem Herzen haben, fühlen wir uns leer und suchen nach mehr. Jeden Stein drehen wir um und kommen dann doch nicht um Gott herum. Denn er hat uns wie ein Stecker geschaffen, nicht nur wie dümmliche Affen. Wir suchen nach unserer Steckdose, bis dahin hängen wir einfach lose in der Gegend herum wie eine Mimose. Für andere machen wir eine Machtpose und leben unser Leben wie unter Hypnose. Wir suchen nach dem Puzzleteil in unserem Herzen und unter Schmerzen sind wir trotzdem immer am Scherzen. Reichtum, so ein richtiges Scheichtum, so viel verdienen, dass wir den größten mimen. Freunde ohne Ende, für eine kleine Spende. Die Leere bleibt und weiter sie uns treibt. Familie, keine Schrottimmobilie. Sie sind für dich da und das ist sicher wahr. Darauf kann man sich doch verlassen, bis sie sich zerstreiten und einander abgrundtief hassen. Dein liebster Verwandter an einer Krankheit leidet und vielleicht sogar von dir scheidet. Die Leere bleibt und weiter sie uns treibt. Berühmtheit, mein Einfluss reicht weit. Auf Facebook 1000 Freunde haben, sich an jeden einzelnen von ihnen laben. Auf Instagram ein Influencer sein. Doch zu Hause allein mit meiner Pein. Die Leere bleibt und weiter sie uns treibt. Und deshalb brauchen wir Gott, der uns ansteckt, aufweckt, zum Leben erweckt. Unsere Leere mit seiner Gegenwart abdeckt. Mit ihm und durch ihn können wir Heilung erleben. Und dann nach dem wirklich größeren Streben. Caroline hat die Ewigkeit bei Jesus Christus gefunden. Und ich möchte dich ermutigen, falls du noch nicht ganze Sache mit Jesus machst, dass du doch heute diesen Schritt wagst und dass du mit jemandem redest darüber und dass auch du die Ewigkeit bei Jesus verbringen darfst. Aber die Ewigkeit beginnt eben in dem Moment, wo wir uns für Jesus Christus entscheiden. Und ich möchte euch wirklich motivieren, das zu machen, damit euer Leben so ausgefüllt und reich und reichhaltig sein darf, wie das von Caroline.
Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit du Seigneur, afin qu'ils se reposent de leur travail. Maloba oyo, ezali révélation oyo, Jean avait aujourd'hui. Il n'est pas trop pour que aille pour annoncer le monde entier, annoncer la chrétienne, annoncer la dunion, que après cette vie, autre chose en amour, cette vie physique, il y a une autre vie, où ils allaient causer la mission. Les amis qu'on dit mis ça va du Christ, qu'on dit mis ça va du, et d'union sont basés sur qu'on fait quatre dans le monde. Pas tout le monde. Mais le lobby, les amis qu'on appelle, bah oyo, n'attendez pas voir dans mon mot basés sur qui quatre dans le monde. Pas tout le monde. Il s'agit de Dieu là, il s'agit de ceux là qui au moment de leur mort étaient dans le Seigneur. Et être dans le Seigneur, les amis. Joyo a diminué Yesu Masia et n'a pas connu comme chrétien parce que on diminue Zambé, on diminue Yesu Masia la mort de yo, tu commences une nouvelle vie, une nouvelle étape de la vie. Et n'a pas connu yo au bas tel que on diminue yo, les bonsoirs va commander que la nengue, les bonsoirs va commander kama, au fin mama, au don mama, au kosa mama va commander que la nengue au bas tel. Christ au Katinaïo, auquel la gauche, auquel la droite, au mélange Christ dans ma tronche, au mélange Christ dans ma tronche, au mélange Christ au Katinaïo, au Maroc, les amis pour la Maro, les amis pour la Yose, les amis pour la Nana, les amis pour la Macaroline, Yoyo, après ce qui est mon aïe, Kati, la Christo, et bon mot, Bible, Bibi, c'est bien sûr que, Baoyo, Basilico, Koufa, Kati, la Christo, Kati, la Coralte, Kati, la Fanfarte, Kati, la Tabourette. C'est vrai, le Seigneur a répandu des dons à chacun de nous, mais pour ton dos, ça la pardonne selon la mesure où nous avons bien coupé ça y est, par sa grâce et par sa souveraineté. Mais Bible nous dit, mais ça veut dire que lorsque nous utilisons ces dons d'une manière positive pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, ton dit, que de vous-même qui nous souffrent, parce que ce qui compte, ce n'est pas le début, mais c'est la fin de l'histoire. Comment vous si bon monnaio et on aussi si bon monnaio quatre dans Christ et votre troisième qu'on témoignait qu'en tout cas même s'il y avait la maladie, même s'il y avait des difficultés, même s'il y avait des problèmes, mais notre frère, notre sœur était dans le Seigneur.
tout le temps il était dans le Seigneur, tout le monde a qui encore dans la misa, tout le monde a qui encore dans la bobicanaye. Eh bien, cette bonne nouvelle, c'est pour cela. Parce que nous l'avons dit deux à présent. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, deux à présent. C'est-à-dire, c'est l'Esprit du Seigneur qui confirme la bénédiction annoncée. C'est-à-dire qu'il confirme, il dit pour ceux qui meurent dans le Seigneur, il y a une bénédiction. C'est vrai, dans la vie physique, dans la vie pratique, on a beaucoup fait toujours des silicones à accueillir, mais dans le malobao, les silicones de Misabiso étaient ceux qui sont morts ne sont pas définitivement morts. C'est-à-dire qu'ils sont morts physiquement, mais spirituellement, ils ne sont pas morts. Il y a une nouvelle vie qui commence avec de nouvelles réalités, avec un nouveau corps, avec le corps des maladies part. Et tout ce qu'il y avait comme infirmité, tout ce qu'on avait comme problème, et c'est le côté Kalaka, nous avons coupé ce buisson, nous autres la Sika, afin que nous puissions nous réjouir auprès de lui. Nous l'avons dit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Bien aimé dans le Seigneur, tout ce que nous faisons pour le Seigneur n'est pas perdu. Tous les efforts que nous fournissons, oye ma la chorale, oye ma la fanfare, oye ma la tambourine, oye ma la voix, tout ce que tu fais pour Dieu n'est pas perdu. Comme on dit, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Malheur à toi si tu travailles pour quelqu'un. Malheur à toi si tu travailles pour le compte de l'officier, si tu travailles pour le compte du pasteur, si tu travailles pour le compte, il y a chef à fanfare, il y a chef à tambourin, ce qui peut y a chef, il y a chorale. Mais bienheureux sont ceux-là qui travaillent pour le compte de Dieu. La Bible nous confirme qu'il y a une bénédiction, il y a des grandes bénédictions, il y a une couronne incorruptible réservée par Dieu pour la parole de Zali pour se faire la carrière. Nous avons dit qu'après la mort, la mort nous introduit à un repos éternel, un repos définitif, parce que la Bible déclare dans l'Apocalypse que pour ça, la Bible soit après la mort, pour ceux qui ont servi le Seigneur jusqu'à la fin de leur vie, Zali permet d'accord pour le louer et l'adorer jour et nuit. Parmi la mission, on a connu les Gozalatés, Mare Gozalatés, Zale Gozalatés, et le Seigneur, ça m'a dit, le Seigneur essuiera tout cela. C'est-à-dire, Maï a mis sur les contacts, la pour la passe à nous, ça va être Maï a mis sur les contacts, la pour la humiliation, Maï a mis sur les contacts, la pour la injure, pour la contour, la caméra, la vie, Dieu essuiera cela. Et bien, il y a une jolie Gozalatés, tout pour servir la vie. Maï a mis 4 ans pour pour être mis sur les autres mis à mission et que mis à la mission et ça n'y a pas battu tout ce n'est qu'on l'est dans l'état et ce n'est qu'on ça pour la zambé. Ça aussi, il y a une autre vérité qui est cachée car la Bible va être afin qu'ils se répondent de leurs travaux. C'est vrai, nos travaux vont nous suivre, mais aussi ceux-là qui vont rester vont continuer à parler pour nous. Babou va dire, ah, un tel azalaï pour ça dans l'âme, un tel azalaï qui vraiment corrige dans l'âme, un tel azalaï pour lui. Peu importe ce que les gens peuvent penser de toi, peu importe par rapport à la qualification avec toi, mais ce qui compte pour toi, c'est ce que Dieu dit de toi. Ce que Dieu pense que tu es, c'est pas ce que le monde dit, c'est pas ce que les gens disent, mais donc, en toutes circonstances, bien aimé, dans les hauts comme dans les bas, devant les vents et marées, servons notre Dieu. Tout ça, il est demi bon, c'est pas il est obéissant à la voix du Seigneur qui nous demande de lui servir. Parce que quelque part, la parole de Dieu déclare servez l'Éternel et il bénira votre cœur. Donc, lorsque nous servons le Seigneur, bien aimé, dans le Seigneur nous bénit. Il y a des bénédictions chaque jour lorsque nous nous mettons au service de Dieu. Yojola Nandaï, Tika Noué à Maman Caroline, et Théaïo. Si la douleur Maman Caroline, et Zala, le coup la interpellation pour le yon, y est Azala qui moussa dans Zam, Azala qui moua dans Zam, Azala moussa dans Zam, qui moune sous de partout, comme on a la poste à Yolo Azala qui, ou n'a pas à l'équipe dans l'Ouad, qui n'a pas à l'Azala qui moussa dans Zam, et tout sous la main, dans Zala qui t'a tourné à Yé, et tout y est dans Zam.
Yawana, et l'autre côté, Ezala, et Pékissé pour rien. La maladie, elle est Pékissé pour la Roussel en Zambété. Marbara Baté Pékissé Roussel en Zambété. Ma tombe la Baté Kimi, ça y est Roussel en Zambété. Ce que Kimi, ou alors ça y est Roussel en Zambété, aux amis de Moussaï, qu'à la poste. Nous avons la poste à la poste, Bazali, Pémé, Nadam en Zambété, Bazali, Pémé, Nadam. Si vous avez permis dans la vous avez aussi dans la tu es malheureux. Mais si tu es permis dans la vie, tu es aussi près de Dieu, là tu es bienheureux. Parce que la parole, c'est la parole de Dieu qui le déclare. Et pour chuter, parce que c'est juste une petite exhortation, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas fait dans le Seigneur. Voilà encore une parole d'encouragement. Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Soyez fermes, tellement oui. Inébranlable, moutoua picolayote, moutoua l'obolayote, travaillant de mes amis. Au sein ma lame, le bon anzampé, ça sous ma lame. Au sein ma lame, pour la traiter, ça sous ma lame, ça sous ma lame. Moutoua l'obaki, nous sommes au bon anzampé. Fais comme si tu le fais pour la première fois et après tu vas prier. C'est-à-dire, dès lors qu'on nous a salé en haut, pour la première ou la dernière fois, après viendra la mort, comme nous avons salé en malam. Yo, yembe la gazambe, yembe le malam. Yo, yo, mesala, ko pesa, pesa malam. Yo, yo, mesala, ko pesa, toli malam. Yo, koko la madame la zambe, koko la dame la zambe malam. Yo, yo, mesala, ko tea sa malam, malam. Yo, yo, mesala, ko beta trompette, tambourin, salé en malam. Lorsque nous travaillons de mieux en mieux, de mieux en mieux, pardon, à l'œuvre du Seigneur, notre travail ne sera pas vain. Ton travail sera vain si tu le fais pour le compte de ton chef moral. Ton travail sera vain si tu le fais pour le compte qui a acheté la témoignage. Mais si tu le fais pour le compte de Dieu, si quelqu'un dit que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide à rester ferme. Quand tu peu importe, nous sommes peu importe les obstacles, tenons bon jusqu'à la fin. Et là où nous allons recevoir la couronne de gloire, cette couronne que personne ne peut nous arracher. Et ici-bas, nous serons envahis, nous serons caractérisés par toutes sortes de bénédictions que le Seigneur a prévues pour ses enfants. Que le Seigneur nous bénisse. Bye. Amen.
Hallelujah. Tosili ko yoka baloyembo ba témoignage pona mama na biso ndeko na biso sœur na biso Caroline oyo asili ko biangama na mboka na tata oyo azali sasaipi na nkembo ezali na lisese moko soki proverbe moko na latin ezali ko lobama na mutindo boye finis coronat opus. Ezali même proverbe tokomona yango na kikongo ezali ko loba ete entomonkunga kumfoko na makumi na nzambe ekomami elobi elobami ete mieux vaut la fin d'une chose que son commencement na Ecclésiaste chapitre 7 verset 8 ndeko na biso Caroline asalaki nzambe asalaki mokonji na ye kasi asukaki na kati kati te alobaki mieux vaut la fin d'une chose que son commencement poete azalaki na elikia na baloyembo tokoyembaka na bakantik na biso elikuna elikomami boye ezali na esika na kimia esika na bolingo epai wapi Yesu azali mokonji kuna mikolo yango epai na ngai ezali mikolo na kosepela mikolo oyo na kosepela koumela na yango ndeko Caroline azali na maboko na tata sasaipi liebe Geschwister, es gibt ein Sprichwort auf Deutsch, finis coronat opus. Das bedeutet, das Ende krönet das Werk. In der Bibel lesen wir das Gleiche, besser der Ausgang einer Sache als ihr Anfang. Wir finden es in Prediger Kapitel 7, Vers 8. Unsere Geschwister Carolina hat ihre Gott gedient. Aber sie hat nicht in der Mitte aufgehört. Sie wollte weiter folgen, weiter dienen. Und sie ist am Ende ihres Dienstes gekommen. Sie ist bei dem Vater. Wir hören noch ein paar Zeugnisse am Ende dieses Gottesdienstes. Tokoyoka lisusu quelques témoignages pona kosukisa koyangana na biso tikiti nzambe apambola biso amen. Kanise bolingo na yo katina bomoi nanga Ninga ina sale la kio, o lelo yonga ina tuta tolo. Ninga ina pesa kio, o lelo yonga ina sala na pomo. Mubele ngolu na yo, pebo lingo na ya Yesu. Shalom, 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 bana zambe. Les alliés pour très serre dans cette vidéo pour la qui ça comment serre caro à zala qui maman à zala qui serre à zala qui nion sou pour la moutou nion soit ibaxé moutou nion soit contre qui serre moutou soit vendé qui nasser à la bande de nasser à mon autre témoignage pour la serre à zala à zala qui nous téma néné Azalaki na amour na patu. Amour sincère. C'est Azalaki na. Y'a moi dans ce témoignage. Koko fasse, bisous surtout. Et surprendre que bisous sera le même jour à Koufa de Baïbis bisous. Et va quitter que c'est la zobe. Mais, n'a pas de ça va bon. Après, moi, ça la passe ma casse. Mais, attends, vous témoignez que ça la passe ma casse parce que. Facer, tu es bâti à monter, c'est la profite à se prendre des bisous. Tout à peine la passe, passe ma cassine à l'aina, n'a pas pas la bisous, n'a pas pas l'angaï. Et moi, dans cette vidéo, pour le témoigner,
témoignage, que vous témoignage pour la sœur, c'est la sœur qui m'a trouvé madame. C'est la qui m'a trouvé. Et donc, ma vie passe, mais le Seigneur, non, va me pousser. Et le Seigneur, c'est moi parce que la monnaie qui vit à celle qui en décembre, en décembre, en décembre, ni à Zolaka, ni à Zoko, l'Opa, à l'Obaki, pour la Tina Vibota. En tout cas, c'est le Seigneur ma casse. Comment on a moins ensemble, comment on est prêt à moins ensemble, parce que moins ensemble. Malgré une langue, c'est qui m'aime à Zobangate, c'est avec nos Bangate, à Zobavek, avec amour. En tout cas, place on demande ce que le Seigneur m'a dit, pas si mais les natales vidéo n'a pas ce père qui m'a casse. Comment on a pu que c'est à Zaki moi ensemble pour la vidéo à celle qui est celle-là, c'est mon mink. La faute fait pas le beau temps. En tout cas, la sépère qui m'a casse. Il y a mon essai n'est pas. Il y a mon Paul Azobakouf à moi ensemble, mes alikens. Puis soit au Tigali, nous aurons un bisou par. Passer la coffee à Bangite, à coffee à Bangate, à coffee à Sémonios, à Kimianios, pour mon agas, à Zamou, à Kimia, à Zekimouta Kimia, à coffee à Kimianos, parce que avec Azassi, dans sa maison, à Zekosai, à Zakisi, placer, à Zakisi, place à Zokin, que c'est mon amour, et à Bissotika, dit Tomilien, parce que Paul Azulba, et Azulba, ou Falmoine, dans sa maison, il y a solé, il y a parce que avec place Zokin, nous avons des abonnés qui nous suivent. Nous avons des abonnés qui nous suivent. Et Sika, wana avons vanda abonnés qui nous vanda Nous avons des abonnés qui nous suivent. 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 Et c'est au Mawa et Zali parce que Jésus écoute les la Kendaki pour accepter sur Lazare. Jésus a les laki, soit les laki passe, mais soit tout ce qui a c'est tout ça n'a pas ces choses là pour que vous avez toujours facilité la passe. Mais dans le sein de son autre dans ma casse, pour la scène à qui m'a encore répété, pas avec mon taquimia, nous avons battu la vie sur Pepsi qui n'a pas besoin de témoin. Il m'a tonga va porter mes témoins à tes occasions à tes timonding il m'a tonga à nous à sa kiss il va m'a porter mes témoins il a des bons témoins la biso va tout au tout il va qui contre qui sait en tout cas il m'a dit ça qui n'a qui m'a dans la famille le bon temps la qui m'a c'est la confirmative soit net tout total net tout le ministère pour qui tient témoin en tout cas il y a une photo qui écrit biso tout simbana pour na tout sur moi là on va conseiller la nios. Azana posa ba mama, azana posa ba soutien ba mama, totika tout ba mama, tout yebi passe, mais totika yete, tout soutenir Annette, et on a kana zaki na Zambé abate la biso, kimia na Zambé, ou mena bisouta riba na Zambé, on kana zaki na kolobo. Voilà, chers frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Donc, j'ai tenu à faire cette petite vidéo pour rendre hommage à notre sœur Caroline. En fait, la sœur Caroline, ça fait plus de 3 décennies depuis qu'on s'est connus. Moi, j'habitais, c'était Salongo. Et, en 78-79, tellement que les transports étaient devenus difficiles à Kinshasa. Donc, je me suis résolu de venir habiter à Kaouka chez mon frère. Et à Kaouka, on était des voisins avec la sœur Caroline, donc, toute la famille. Bon, on allait ensemble à l'école parce qu'elle étudiait à l'Institut 4 janvier et moi j'étudiais à l'Athénée de Lingwala. Donc, on faisait route ensemble. Donc, on a vécu de nombreuses années ensemble. Et puis, quand je suis allé à Kaouka, j'ai commencé à fréquenter l'armée du Salut. Donc, quand j'étais à Kinshasa, j'ai fréquenté l'armée du Salut. Bon, en 90, je suis venu en Europe. On s'est encore rencontrés. Et on habitait presque le même district. Donc, on se voyait régulièrement. Donc, aujourd'hui, j'ai quand même le courage, malgré ma tristesse, de faire cette vidéo. Car la sœur Caro nous laisse vraiment un bon témoignage. Un témoignage d'une vraie chrétienne convertie.
parce que durant tout le temps que nous sommes restés ensemble, il n'a cessé de prendre de nouvelles. Et chaque fois qu'il y avait un problème, il appelait pour prodiguer ses conseils. Et chaque fois qu'on avait un problème ici à la maison, que ce soit un problème de deuil, un problème de joie, il faisait toujours le nécessaire pour venir ici. Donc, il s'est tapé 400 km, soit en train, soit en voiture. Donc, il nous était très proche. C'est vraiment de la famille. Ça fait vraiment de la peine de la perdre aujourd'hui. Vous pouvez comprendre que mon cœur est rempli de tristesse. Et la seule joie que je peux avoir, c'est que j'ai la certitude qu'il va rejoindre le Seigneur. Je voudrais vraiment prier pour elle et surtout pour sa fille qui va rester pour qu'elle puisse avoir le courage d'accepter cette séparation. Nous, on ne dit pas que c'était un adieu, ce n'est qu'un au revoir. Que le bon Dieu te garde là-bas, nous te rejoindrons un jour. Avec les corps, des cœurs, pardon, plein de pincements, je voudrais te dire au revoir, ma sœur Caro. Nga papa Maï, ancien jeune et apôtre Yolo, na sepeli ko témoigner pour na maman Caro qui a lunda tumba. Azale ser oyo tu yebana ki makasi na poste na Yolo. D'ailleurs nga na poste na Yolo, sou na côté na poste na Yolo, na côté na ndela anciens élèves. Na groupe anciens élèves na zaki les seuls petits. Bon, yé, maman Caro, na pauvre sœur Valentine. Bon, bah, ben, y'a pémé, babi, n'a pas maï. Mais y'a quand la jeunesse, vous connaissez pas, bah, Mikolo.
kuna uko sepanui bien madame te yaka na jeunesse ni uko za la penda entre ba jeunesse boka ba jeunesse ba za la poste ha ndi ba benda inga na ina la jeunesse donc sur la côte la jeunesse ya yolo c'est grâce à ye caro na parce maman c'est Valentine bon na kata jeunesse akala to lingana kama kasi penda tuzo bika na bomoko bolingwe zaki penda ya ko sakana te tuzai ko kuta na pe moi mingi Nazaki ko kene pa na bango tuzova na terrasse wana pa na bona terrasse na Serpentine na mama Vero na mama Caro tuzova na wana bisimisa tant sou pena de chaud tuzova na to benga komo na ngo Nazareth e pa na bango komo na zaki Nazareth so bitso na bile kena ke Nazareth na ke pa ba Vero ba pa ba Serpentine dina kina Nazareth donc tuzai na bolingo makasi penza na ufana ndako omona mama Vero to mama Caro mona pa mai mapa yango lia mapa mela mela tilo bina tongo tuzai ko kuta na mingi tuzosa ba sortie bena bango donc bolingo penza zalaki mama Caro azaka tellement une femme simple simple souris jaune aba blague penza te pa na ye ataki constante et sereine na regretter Tant on a joué à Paris à WhatsApp, si vous voulez, vous pouvez vous faire un numéro de Bengi, Pamba, Pamba, à Monite, tout ça, le groupe pour les anciens jeunes à Calais, à Yole, à Dolokutana, place un dé et Fungoli, bon mot, il n'y a pas de ça. Ah papa, maï. Pour ça, le groupe d'anciens jeunes à Yole, bonjour, bon yembi, Nazalia, Nazana et Sengo Makasi. Dimanche le 7 février, boye mlanze mbo ko sepela ele kinga. Donc azali no ko sepela makasa ni toye mlanze mbwana. Malheureusement, mardi le détanga bengai na kamwe le samedi le 6 février ba benga na ba 9h10 ba minage ba maibiso ana pon Allemagne mama Caro akufi. C'est vrai. Mais tininga atininga na ibisa ba tupo ba pesa ba nimbero ba solo la. Mais Pourquoi Allah kinga? C'est ça mon problème. Pourquoi Allah kinga? Pourquoi linga kaka Allah kinga? Alors quand Allah kinga, et puis singa passe na motema. Pourquoi Allah kinga? Tu as besoin de boye. Mais pourquoi la appel mon akimia? Alinga ko contribuer pour la poste na ya yolo. Mais nzamba bita oné koki, tamoné koki. Nzamba asoye kana akimia, appel mon akana akimia. Nandimi te. Ah, qui n'est pas dans un peu dans un mot sale, n'aille pas. Nous avons appelé la bango, appelé la jeunesse, la jeune va tirer à Canayo, dimanche pour le samedi à l'objet de la tozan la culte n'aille, n'aille pas de tozanako, tout le lament, tout le séparé de comme ça, un peu dans mon canon. Tiens, ça va comme ça, côté à Zanzamé la Kimia, et ça m'a dit. Amen. Bon, l'état de l'île n'a pas pour la maman Caro. Azalaki elenge ya poste na yolo. Toyebalaki daye na poste na yolo po ba para na bango. Ba na osame na poste na yolo. Bango bazaki bala kauka biso zalaki ba na yolo. Ngai pe lokola ba para na biso ba nako sambe na poste na yolo. Ya kona toyebalaki biso na bango na poste na yolo. Toyebalaki na lisanga ya la jeunesse ya poste na yolo. Voilà, tu es balaki na lisanga la poste na yolo na la jeunesse et pas la maman Caro na zoki biloko mibale. Maman Caro azalaki mwana mwasi moko ya kimia. Azalaki koloba penza te. Azalaki mwana mwasi moko na kimia. Ye azalaki wala soki to ye avant repetir bana soki to vandi. Soki biso to zali koloba loba. To bande ko msuba bazako loba loba ye azalaki ka kimia. Soki bolobi likamba ko seka boko mwana ya seki. Mais pour l'oba, Azali peut mutu la kolobate, Azali mutu la kimia. Yami balé, Azali ki mwana mwasi moko, Azali ki na molende. Azali ki na molende makasi. Azali ko zanga na poste te, Azali ko zanga na répétition te, mardi vendredi, ma jour d'absence répétition. Kao Azali ko zanga te. Azali ki na molende, Azali ki makasi pour la mosala na nzambe, même ba dimanche. Caro azalaki kozanga te. Elongo na soki pa la Caro azalaki mwana mwasi moko ya kimia pe mwana mwasi moko ya molende azalaki makasi mpiko pona mosala na ye. Tozalaki koyemba na ye na la jeunesse. Famille na bango mobimba poste mobimba ya yolo. Bato bazalaki mingi na la jeunesse ezalaki libota na bango. Po bango bazalaki 6 personnes.
trois filles, trois garçons, tu vas leur sortir à la bango, na poste na yolo. Mettant on a ma famille, parce que mon cas nous baquer l'Angola en tout cas, tous ceux qui trouvent mon dans la jeunesse ya yolo, pour être si jeune baquer ma tiki poste. En tout cas, il t'a tenu comme au coup c'est pour la caro, on a la zone qui pas la caro, à ça qui moi la moi si mon kimia, moi la moi si mon molende. Alinga ki mosala ye mingi ya nzamba sala ki mosala kitoko na poste na yo na mois de novembre to benga la ki na ye to solola ki bon na mois de janvier la benga ki ye na zwa ki yete na mois de février ne ko yo ka kufi en tout cas et sala inga passe na motema na mawa bon lokole za makamwa nzambe ye moko lo bagina ke bo bongsela bino bisika na yo ko zwa bino moko moko Mokala nzambe lokolo ekokisami nzambe azola ye lokumu matanga na ye eleka la kimia nyonso bana bazala bana donc bakarama na nzambe ndenge mama na bango asayelaki nzambe bala pe balanda nzela ya mama na bango nzambe apambola bango nyonso bazali kuna abonda mitema na bango apesa bango kimia pe biso bandeko na poste na yolo bansien jeune Bobele kimia na nzambe ezala na biso toko baka kosala musala na nzambe kino na mikolo o nzambe abongisa ki biso awa na se nzambe azola ye lokumu molimo na karo epema na kimia elongo na kolo na ye oyo asalelaki amen.
Yesu asekwi atikilini tana ye. Ye azali na bomo, ye azali na bomo yo to sepela pandimito yembanjembo. Yesu azali bomo. Hallo, mein Name ist Miriam. Ich bin Mama und Papa Luta. Ich möchte gerne ein kurzes Zeugnis geben und meine Erfahrung teilen über Dirk Aron. Ich bin natürlich auch am Trauern, aber ich feiere hauptsächlich ihr Leben, denn sie hatte ein gutes Leben. Dirk Aron war mein Alto Buddy, Toyembaki Alto. Ensemble, tu vas naki ima ensemble, tant que tu yemba ki na koraya papa luta, African Swing Salvation. So ki papa, wenn papa uns irgendwie eine Stimme gezeigt hat und ich sie drauf hatte schon, dann habe ich dir Garoma ein bisschen geholfen. Es hat immer Spaß gemacht und dann haben wir den Part immer zusammen gesungen. Dirk Aron war ein sehr fröhlicher Mensch. Ich erinnere mich immer mit sie mit ihrem Tambourin, dass sie immer total abgegangen ist und dass sie immer ein Lachen im Gesicht hatte. Und ich bin einfach so dankbar, dass sie auch ein Teil meines Lebens war und sie zum engsten Familienkreis gehört hatte. Und in der Bibel heißt es, der Tod ist nicht das Ende, sondern der Tod ist der Anfang von etwas noch Gutem. Und ich weiß, dass Dirk Aron in den allerbesten Händen auf der ganzen Welt ist und dass sie oben eine Fete feiert. Fete Moko. Fete Moko. Dirk Aron guckt runter und sagt, Leute, die Fete, die hier oben abgeht, ist einfach die beste. Und ich freue mich auf jeden Fall, Dirk Aron meine Tante nennen zu dürfen. Und wir lieben dich, Dirk Aron. Wir vermissen dich, Dirk Aron. Wir feiern dein Leben, deine Berufung, das, was dich als Person ausgemacht hat. Und wir hoffen, dass wir dich bald wiedersehen. In Gottes Namen. Amen. Niko témoigne muke pona bomo ya ser na biso to obeni mi ser karo au to tika biso ne mama a ser ko bala ki chepten na bomo batamurne na mboka na Angola na Luanda ngai pe tamo na koma ki na Luanda na yako kutaye a koma ki na presque na tamo asuka pona u voyage azai ko sangisa bana ya skodom alors yende ser karo atikila ingai na sengonyo so na diriger ce qu'on met l'accès école de dimanche à Bana et on mon essayer que continuer en particulier en na sengo ya mon moni témoignage à Luanda ils appellent dans minute mais témoignage na copé son cœur à ser caro pour awa vraiment tous là qui pembe ni mingi famille kutu le baté mais yende tous là qui moni ata na ko bonde la ilongo un jour ou deux avant tikabiso tous là qui ta monos ko bonde la na ba téléphone. Mais na nikuluba témoignage na metena ni ko pesa témoignage pona ser na ningomba koyo nzamba ponela ki na se vraiment azala ki fidèle pour biso to na manière to yebi ba poste la biso boni boni tambola ka tamo nyoso ko bengana ah ba to sogna la ka salitiste te mele na ko kende te mais mulende azala ki kaka mulende partout. Nous allons qu'il y a pas festivité na biso ser caro azali ko zangate yango exemple yo na niko pesa témoignage yo biso atutikali to la exemple ya ye o ngai surtout na yebi nenga la ki muna yebi ningomba armeli saina muno kona ye ndenge nzem to yimba landa ulanda to kufi ye penza asi kukufa na komo na armeli saina muno na kumisi nzambe po naibi mingi pina ya kulubezali tene na lobi
azala ki fidèle na chorale na groupe na biso surtout na groupe na biso uniforme on allait Africa Swing Salvation to ya ki biso na ye ye caissière na caissier donc communication avec vraiment madame et à la famille yende tobi soki to uti net Suisse a olinga to le kate bo ya bolalawa na Durmeheim partout kal souende to komalite met to zala ki penda isanga toto ni kala nzambe ndenge ajibu moina ye to ebi ke na droit baloba ba circonstance atténuante ya la kanzamba ko yokele mawa atia ye pembini na ye atala mikaka tra mokili po na molene wa zala ki na mona ngomba vraiment na kusukisa kana merci c'est pema na kimia exemple na yo etika na biso surtout ngai to zala mu kanga mona ngomba na tshwa ko medisa li ti nzambe ko benga biso ene na kimia alléluia. Oh.
Avant de prier, je voulais remercier les organisateurs de ce culte virtuel pour m'avoir associé à ce programme. Également, je voudrais m'adresser aux enfants qui sont particulièrement très touchés ce soir pour le départ sans retour de maman Caroline. Également aux membres de la famille et à nous tous qui avons connu maman Carolina. Nos cœurs sont troublés, nos cœurs sont blessés. Oui, la parole de Dieu nous dit, la mort n'est pas la fin de l'existence. Il y a toujours une vie après la mort. Pour celui et celle qui a donné son cœur à Jésus, qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, la mort devient le dernier ennemi à vaincre. Mais aussi, la mort est un gain, car Christ a déjà vaincu la mort à notre place. Et donc, maman Carolina a déjà la victoire sur la mort et présentement, elle est dans la gloire éternelle. Nous sommes restés en vie. Nous continuons à nous battre avec l'assurance que le Seigneur va nous aider à persévérer et à tenir jusqu'à la fin de notre vie. Et nous remercions le Seigneur de nous avoir donné maman Carolina et que son âme repose en paix. Prions le Seigneur pour ces circonstances. Seigneur notre Dieu, merci d'avoir été avec nous durant tout au long de ces programmes, de ces cultes. Nous voulons te bénir, Éternel, pour l'esprit qui a caractérisé ces cultes. Tu as été avec nous, Seigneur, du début et à la fin de ces programmes. La gloire te revient, Seigneur, parce que tu le mérites. Ta parole nous dit, en toutes circonstances, rendez la gloire à l'Éternel. Et nous voulons te rendre la gloire, Seigneur, pour ce que tu as fait pour maman Carolina. Et ce que tu feras encore parce que maintenant elle est dans l'éternité, dans la félicité de Dieu. Elle est entre tes mains éternelles. Car une nouvelle étape a commencé pour elle du fait qu'elle a donné son cœur à toi, Jésus. Nous voulons rendre toute la gloire en toi seul, Seigneur Jésus. Et nous voulons te prier, Seigneur, de consoler les cœurs qui sont brisés. De consoler les cœurs abattis éternels ce soir. La mort nous a terrassés. La mort nous a surpris. Mais Seigneur, qu'à cela ne tienne, nous avons déjà la victoire par celui qui avait vaincu cette mort. Et aujourd'hui, par le départ de maman Carolina, Seigneur, nous voulons te prier pour que la famille se sente encore soudée en ce moment. Renouvelle, Seigneur, l'engagement, l'amour pour chacun d'entre eux. Et que l'occasion qui se présente maintenant pour le départ de maman Carolina ne soit pas une occasion pour se diviser en famille, mais qu'il y ait une certaine unité, que l'amour puisse régner parmi les membres de la famille, jusqu'à ce que maman puisse aller dans sa dernière demeure. Je te prie, Éternel, pour nous qui sommes encore en vie. La mort n'épargne personne. Nous sommes tous étrangers et voyageurs sur la terre des hommes. Et nous sommes d'ailleurs tous sur la liste d'attente. Aujourd'hui, c'est elle. Mais demain, nous ne savons pas à qui sera le tour. Mais pendant que nous sommes encore en vie éternelle, rends nos cœurs sensibles à cette réalité. Que nous puissions comprendre que personne ne restera ici, Seigneur, terre sur terre. Que nous sommes des passagers. Que nous puissions conduire notre vie éternelle avec beaucoup de crainte, avec beaucoup d'obéissance à ta parole, Seigneur. Et surtout que nous puissions donner nos cœurs à toi, Jésus. Aide-nous à se repentir. Brise nos cœurs de l'orgueil. Donne-nous l'esprit humble, l'humilité, Seigneur, et surtout à croire que, en tant qu'être humain, Seigneur, à nous, rien n'est de spécial. Nous sommes qu'une vapeur qui apparaît pour un temps et qui disparaît après. Apprends-nous à compter les jours éternels qui nous est resté pour que nous puissions continuer éternels, non à se conduire comme des gens qui ne savent pas, qui ne sont pas informés qu'il y a la mort qui nous attend. Mais puisque nous sommes des voyageurs avertis, Seigneur, que chacun d'entre nous puisse veiller sur sa conduite et sur sa manière de vivre. Bénis-nous, Seigneur. Bénis la famille en cette circonstance. Et permets que les corps de Maman Carolina, Seigneur, jusqu'à sa demeure, soient accompagnés. Seigneur, par ta présence, merci pour ton esprit qui veut régner pendant cette période et pendant ces jours ici. Et une fois de plus, Seigneur, nous te bénissons pour tous ceux qui nous ont suivis en ligne. À toi seul la gloire, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.